diamant lauréat, je peux faire une étude supérieure, je vais franchir l'autre étape dans toute la vie. Je vais arriver, je vais exceller dans une bonne étude. Maintenant, je vais avoir de nouveaux skills que je vais développer. Nous, souvent, nous causons 21st century skills. Une des bonnes affaires les plus importantes, c'est maintenant d'apprendre à travailler en collaboration, à partager les connaissances. C'est ça, bonne skills que je vais développer et peut-être l'une des plus importantes de notre époque-là. Aussi, bien sûr, je vous développe votre connaissance, je vous développe une expertise. Nous sommes contents qu'ils soient capables de contribuer dans le développement du pays aussi. S'ils retournent au pays, c'est encore mieux, mais si jamais ils optent pour rester ailleurs aussi, avec la technologie aujourd'hui, il n'est pas difficile pour eux de contribuer au développement du pays. Alors nous attendons qu'ils aient continué à faire bien, qu'ils aient continué à faire du progrès, mais qu'en même temps, ils pensent au pays. Et aussi, quand vous avez fait cette étude, vous pensez aussi en termes des besoins du pays. Le pays, là, peut lancer un nouveau pilier économique, nous cause de la biotechnologie, nous cause de green economy, blue economy, ocean economy, nous cause aussi de ce qu'on appelle les smart cities. Ben, en gardant tout ça en tête, il devrait faire le choix qu'il faut pour les études supérieures. Je me sens vraiment content, surtout, enfin, il y a plusieurs fonctions depuis qu'il me lauréat et à chaque fois il y a un plaisir parce qu'il nous reconnaît pour ce qui pour nous mal examiner à HSI, comment nous travaillons et que nous, chaque fois nous mal rappelle nous qui voilà qui nous fait l'honneur Maurice et qui mal expect qu'il nous retourne au pays après et tout, mais je pense en fait illégitime, il y a une demande légitime seulement, je pense comme le ministre indien, comme la ministre et monsieur le premier ministre indien, qui n'est pas nécessaire à Maurice pour servir Maurice. Et plus que ça côté-là, parce que je pensais qu'il me cave servir Maurice en étant ailleurs. Et que c'est ça qui m'objectif, parce que je pensais qu'il est plus facile d'épanouir ailleurs et qu'il me cave amener ce qui me gagne là-bas, ici. Vous connaissez quelle université je peux aller, donc je peux aller à l'université d'Amherst en Amérique. C'est un liberal arts college, ça veut dire qu'il ne m'a pas nécessaire choisir une filière tout de suite. Je peux attendre 2 ans, que je peux vraiment essayer tout ce que je peux essayer avant de choisir vraiment une filière. Et donc je peux profiter de ça pour faire justement pour essayer mes affaires examinées, essayer avant, incluant mes affaires scientifiques. Donc vous pouvez guetter que ça peut amener moi et que je suis assez excité pour, voilà, pour essayer. Oui, à l'extérieur, à Cape Town. Pour étudier BA in Social Science. Enfin, il peut dépendre nous-mêmes. Si nous-mêmes nous avons un projet d'avenir pour soi, ben, me supposer, nous pouvons choisir soit rester à l'extérieur ou retourner. Mais personnellement, j'ai envie de retourner à Maurice, vraiment. Enfin, moi, attaché bien ici avec la famille, plus particulièrement. Et puis, vraiment, au moins, trouver la bouche un peu, besoin de lit. Oui, je viens à l'University of Melbourne. Je vais partir le 16 juillet là. Je vais faire Bachelor of Commerce. Double major in finance and accounting. Moi, oui, bien sûr, sans hésitation, je retourne Maurice. Peut-être pas immédiatement, mais dans le long terme, je retourne Maurice, à cause Maurice a une place extra bon pour vivre. Abroad, you can earn, mais in Mauritius, you live. C'est différent comme si. Ben, ça fait toujours plaisir, on connaît d'être ce qui est une archive dans la ville. Il est toujours reconnu par Benjamin comme la ministre de l'Éducation, donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Je vais à l'Université de Bristol, en Angleterre, pour étudier le droit. Mais c'est très important, oui, mais même avec un sujet comme le droit, où toujours qu'on bouge vers d'autres filières comme le droit maritime, le droit family, city planning, etc. Donc, toujours une bande débouché qui est assez intéressant, même si vous pouvez faire un LLB, par exemple. La spécialisation est toujours là, pour après. Je suis bien content, comment dire, le travail, ça peut être ses fruits, comment nous dire. Donc, lui aussi, il en fait bien, pourtant, vous trouvez, mon ministre, cela peut reconnaître notre travail et que surtout qu'ils peuvent aider nous faire quelque chose pour nous payer après, qu'ils nous retournent ou pas. Côté études, on a fait côté architecture, on a fait design, sustainable design, mais côté université, moi pas encore vraiment finalisé. Nous, il l'air qui nous shifte, nous focus. L'eau, ressources qui Maurice et là, comme nous grand territoire marin, bien sûr, et là, t'as dû faire engineering côté technique, même nous avons marine engineering, même architecture, nous pas connaître la technologie qu'avant, mais nous dit même qu'on peut construire la case au dit le. Donc,
nous avons un territoire marin, nous avons beaucoup de ressources à Maurice et nous visons que les jeunes qui peuvent monter, apprendre et spécialiser comment nous sommes capables de servir à nous l'avantage pour le développement du pays. Le ministre nous a dit comme ça, nous visons retourner dans nos pays ou même depuis l'étranger, servir nos pays. Mais seulement ouais, après nous l'étude. Mais qui fait attendre après nous l'étude? Là est la question. Nous sommes capables de bien commencer maintenant même. En ce moment, on a moi et Yannis Dayal de Doréa. Nous sommes en Amérique pour le Pan-Africa Youth Leadership Program avec l'ambassade de l'Amérique. Et là-bas, nous faisons un leadership workshops et nous retournons pour proposer faire un projet à Maurice. Et c'est le Youth Symposium for Mauritius, patron by the US Embassy. Et ce qui nous permet de faire, nous, c'est un genre parlement pour un adolescent de 16 à 19 ans depuis Porto à travers l'île. Mais, comme dire, l'indépendant, pas l'affilié, un affaire partisan politique, tout ça. Et nous, nous avons une conférence qui est plutôt issue-based, c'est-à-dire nous pouvons juste un problème qu'il y a dans le pays et une solution-là, nous pouvons discuter entre jeunes, avec l'aide d'un professionnel, bien sûr, pour nous faire devise et que trouve une solution qui est créative. Et là, nous pouvons forward sa solution là vers une autorité, gouvernement et une organisation concernée qui est capable d'aider nous à implémenter une solution qui est jeune trouver fit pour la société mauricienne.